Bonjour à toutes et bonjour à tous, ou plutôt rebonjour, puisqu'on est à nouveau avec Darn pour un GL de Mortal Kombat. C'est ça, re-GL, re-Mortal Kombat, re-Darn, re-Anagoon. Exactement, et on va s'attaquer au contenu exclusif de cette version Vita, Vita, Vita. Vita, oui, oui, oui. Alors déjà, la version de base console était très complète, mais alors la version Vita, disons, ça va encore plus loin. Oh là là. Puisque en plus de la tour des défis, alors la tour des défis, c'est en fait tout un tas d'épreuves enchaînées, hein, oui, qu'on connaissait déjà, il y a la tour des défis bonus, donc c'est une autre tour. Avec de nouvelles épreuves. Et d'accord. À propos de ces nouvelles épreuves, on va aller y faire un tour tout de suite. Par exemple, aha, teste ton équilibre. Alors, d'après toi, sur quoi cela va-t-il être basé? Oui, je ne vois pas. Teste ton équilibre. Ton vrai équilibre ou ton équilibre dans le jeu? Eh bien, écoute, ton vrai, puisque la console est capable de détecter les oui, mouvements. D'accord. Donc, et il va oui, falloir tenir la console droite. Absolument. C'est ça. Et puis, rétablir l'équilibre du pauvre gars qui va se trouver en haut de. Voilà. Au-dessus, effectivement, d'un, oui, au-dessus d'un puits. Donc, voilà. Ça se tente. Pendant 10 secondes. Vas-y. Ça a l'air de rien, mais. Du coup, tu vas. Ouais, oula, oula! Du coup... Ah oui! Et à mon avis en bas. Ouais, ah, voilà. C'est horrible. C'est horrible. C'est horrible. Failure, tu sais, des fois que voilà, t'as pas compris. Failure. Quoi. Ah bon, j'ai raté. Ah ouais. Voilà, donc tu vois, sympa. Oui, très sympa. Et hop là. On va revenir à la tour. On voilà, va et chose, on va faire mais... une autre épreuve qui sera plus jouable en Gaming Live. Parce que là, oui, si, parce si, que si je bouge la console, il y a oui, tout qui explose. On voit plus rien. Je n'ai là, pas voulu le faire. Je n'ai pas voulu le faire. Mais c'est bien, on a compris le principe en tout cas. Et voilà. On a vu que ça a utilisé les fonctionnalités de la console. Tout à fait. Mais l'autre épreuve exclusive aussi, puisque c'est test ta lame qui permet de trancher des objets. Et pour trancher des objets, qu'allons-nous faire, mon cher Gound? Tu vas utiliser ton doigt sur l'écran. Mon doigt tranchant. Ton doigt tranchant, exactement. Voilà. Tu vas rayer l'écran. Ça va être affreux. Ouais. Voilà, niveau 1. Donc niveau 1, c'est quand même assez noobesque. Hein. C'est oui, pour bien sûr. Débutant. Enfin, c'est pas bien de dire ça avant, parce que ça se trouve, tu vas rater. Voilà. Et il me demande de secouer la Vita pour faire exploser les bombes. C'est hors de question. Non, n'explosons pas les bombes. Voilà, puisque... C'est pareil, vous n'allez pas voir grand-chose. Si, on va voir. Tac. Voilà. Allez, et t'as vu comment je manie le sabre? Non, mais c'est incroyable. C'est incroyable. Tu as été ninja dans une autre vie. J'ai été, oui. Voire dans cette vie. Hein. Je pense que tu es ninja. C'était la technique de la spirale, ouais, de la spirale infernale. Voilà. Oui, c'est pas mal, ouais. Ah, il y a du style. Hein. C'est incroyable. Tu as dessiné, mine de rien. Eh ouais, en fait, c'est un jeu de dessin. T'as pas voilà, compris. Alors, attends, qu'est-ce que je pourrais dessiner? Oh non, j'ai des idées. Oui, j'ai non, idée, mais... non, pas cette idée-là. Non, hein. Une maison, un triangle. Attends. Oui, un hop, triangle. Voilà. Ah oui, c'est oui, réussi. Ouais. Un escargot. Ah oui, tout le monde. Ouais, ma fille, c'est les mêmes à peu près. Hein. Ouais. Voilà, fais-nous bon, le Kremlin, très vite fait. Bon, blague à part, donc là c'était injouable, mais ça te montre que voilà, les développeurs se sont dit tiens, puisqu'on va sur Vita, autant inclure 2-3 trucs Vita. Voilà. Et bien donc, sûr, chez vous, ça sera plus jouable. Hein, oui, bien sûr, là c'est les conditions. Ça hein, sera beaucoup plus rigolo. Faut rester tout droit pour lui. Et ouais, du coup, ils ont imaginé donc cette seconde tour des défis, etc. Alors, à quoi ça sert? Ça sert pour la free, mais ça sert aussi pour gagner de l'argent. Et avec cet argent, qu'est-ce qu'on fait, mon cher Anagoon, toi qui as bien suivi la dernière version. Et on achète du contenu supplémentaire. C'est ça, nous allons dans une... Bien, tu as évité une fatality. Exactement, quoi. Une fatality directe. J'étais avec ces deux lames autour de ma gorge. Ça a fait ouais, mal. Sans les mains, c'est là où il est fort. Voilà, voici la crypte, cher ami. Alors tu vois qu'il y a un nombre incalculable de tombes, mais aussi d'instruments de torture, de ouais, tout ce que tu veux. Bon, tu en choisis une, par exemple celle-ci. Oui, elle a l'air sympa. Ouais. Tu dépenses des sous. Baf, t'as un éclair qui tombe dessus, t'as une manne qui sort, et là... T'as oh, gagné une yes, fatality pour... Je sais pas qui c'est, ça. Une fatality pour... c'est un personnage que je connais pas trop, moi non plus. Je me souviens plus son nom, dis donc. En tout cas, on a gagné une Air Mac. Voilà, Pest Control. Il ressemblait pas à ça, avant Air Mac. Enfin bref, c'était une fatality pour Air Mac. Par contre, tu ne peux pas savoir ce que tu débloques avant de l'avoir débloqué. Voilà, c'est la surprise. Ah, c'est la surprise, ok. Enfin, sauf si tu vas sur Internet et que tu te spoil toute la crypte. Alors ça, c'est franchement, c'est complètement pas, c'est n'importe quoi. Nous, on ne le fait jamais. Jamais on va sur Internet regarder des astuces. Voilà, alors, pour les fans, parce qu'il y a beaucoup de fans de moi-même d'ailleurs. De Mortal Kombat. Mais oui, Mortal Kombat, ça a accompagné mon adolescence. Alors effectivement, quand t'as 13-14 ans, Mortal Kombat... Sauf que Kombat, lui, c'était dans la vraie vie. Hein. Faut savoir que c'est adapté à oui, la vie de voilà, Darn, moi, de l'adolescence de Darn. Voilà, beaucoup de mes petits camarades se souviennent de... de fatalité ou de... Enfin, c'est ceux qui sont encore là pour s'en souvenir. Oui, c'est ça. Exactement. Donc tu peux voir voilà, les caractéristiques, les statistiques du personnage, pardon, ouais, ainsi que sa biographie. D'accord, un petit contenu, oui, effectivement, là c'est du pur fan service. Petit temps de chargement pour avoir un fan service assez complet, puisque tu as toute son histoire, tu peux le regarder sous toutes les coutures. Ouais. Voilà,
Voilà, Ah, il est costaud, hein. tu peux le voir avec des blessures, tu peux, Ah, mais bon, d'accord, oui. Il y a ouais. tout ce qu'il faut. Et Tu veux nous pas le voir la tête coupée, ce genre de truc, non? voilà, non, non, je vais juste Un peu trop. te rappeler donc une dernière fois le contenu bonus, donc Ouais. le tour des défis bonus, des nouvelles épreuves, et également quatre personnages supplémentaires qui étaient proposés autrefois en DLC payant et qui là sont gratuits. Ouais. Il faut savoir que la version Vita est également beaucoup moins chère que les versions de console. En plus. Donc même si le jeu est, c'est vrai, nettement moins beau, il faut le dire, il peut jouer en On ligne, peut hein, pas aussi. tout avoir. Oui, Il peut jouer jouer en en ligne ligne aussi, aussi, oui, oui. donc il y a énormément de choses qui sont pareilles. On va terminer tout ça avec, évidemment, en fatalité, hein. Ah. On peut pas s'en passer. Ouais. Voilà. Didacticiel, les fêtes, elle Alors était c'est carrément. parti. Alors moi j'aime beaucoup, je vais en faire profiter. Ah mais je sais pas si ça va être la bonne. Et non, ça va peut-être pas être la bonne, non. Ah zut, parce que oui, Fiche-toi. Liu Kang a une fatalité vraiment, vraiment crado. Bon, je vais en faire une au hasard. Bon, Allez, vas-y. voilà, complètement au Avec hasard. Kano. Kano contre Contre Sub-Zero. Sub-Zero. C'était mon personnage Et préféré, Sub-Zero. on peut le prononcer Kano Oui. contre, enfin versus Sub-Zero. Sub-Zero. Oh Voilà. yeah. Alors tutoriel des fatalités d'ailleurs qui est super bien fait. Hein. Je rappelle qu'il y a beaucoup de fatalités par personnage donc à débloquer. Tu l'as vu tout à l'heure à la Ouais. crypte. Voilà, avec un chrono infini bien entendu. Bah oui, c'est le Donc principe. il me propose de faire un heartbreak. Ok. Donc arrière, Ah, il bas, faut que tu sois arrière, à une bonne avant, carré. distance, Oui ouais. tout à fait. Ah oui, ok. Donc il faut que je m'approche un peu parce qu'il y a deux fois arrière, Ouais. arrière, bas, arrière, avant, carré. Et c'est parti. Yeah! Attention, Allez. qu'est-ce qu'il va faire? Ça va faire mal. Aïe! Waouh! Ah! Oh Il n'a plus de non! cœur! Aïe 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 C'est aïe aïe dégueulasse. aïe aïe. Voilà! Bon bah écoute, voilà qui résume bien l'esprit du jeu. Écoute, il a été chirurgien avant, il était juste un peu expéditif, mais Ah! ça marche aussi, hein, désolé. Ah, oh, eh Eh oui. bien, merci de nous avoir suivis, en tout cas, pour ces deux Ouais. gaming live de Mortal Kombat, un jeu bien sanglant. On vous avait prévenu quand même dans le Ouais, premier dire GL. qu'on doit aller manger là. Oui, on va manger là maintenant, il est midi passé. Difficile. Ouais. Merci en tout cas de nous avoir suivis et on se retrouve bientôt pour de prochaines aventures, peut-être un peu moins Un peu moins sanglantes. sanglante, hein? Peut-être, peut-être. Et c'est ta cachet à midi? Non, 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 non. Ciao.